Aujourd'hui, on est rentré dans le début de cette histoire incroyable qu'on va écrire ensemble avec le département de la Somme pour accueillir le relais de la Flamme. On sent une vraie envie. C'est un département qui aime le sport, qui a beaucoup d'atouts, qui a investi dans le sport, qui a un tissu associatif sportif qui est très développé. Donc on a vraiment hâte déjà de rentrer dans le détail, d'imaginer un formidable parcours spectaculaire, populaire, mettre en avant aussi tout ce côté durabilité le long de la Somme. Il y a plein de choses à imaginer, donc plein d'idées, la volonté vraiment de partager cette magie des Jeux avec tout un écosystème très développé aussi, que ce soit sur le tissu associatif sportif ou le tissu culturel. Donc voilà, les choses avancent plutôt déjà très bien, je trouve. Il y a une envie très forte portée par le président lui-même, et ça va forcément nous aider. Donc moi, je suis très satisfait. C'était vraiment l'occasion de rencontrer, de travailler aussi sur le contenu, peut-être de cette journée, mais aussi demain sur la préparation. Comment fait-on pour que dans la Somme, on puisse tous faire la fête du sport d'ici là, peut-être avoir des initiatives particulières, faire aussi en sorte de ne pas oublier un grand nombre de nos publics, les publics empêchés, mais aussi les publics de sportifs, les publics des bénévoles, marier peut-être demain culture et sport. C'est aussi une volonté pour nous de faire en sorte que notre grand projet, par exemple Vallée de Somme, Vallée idéale, puisse être peut-être le fil conducteur de cette journée du Relais de la Flamme. C'est une façon en tout cas de vendre nos propositions au comité olympique, qui bien sûr restera le seul, j'allais dire, à trancher, mais avec un peu de volonté, un beau projet défendu, je suis persuadé que nous saurons vendre notre enthousiasme pour le parcours qui fera sens dans le département. On est un département au patrimoine naturel, monumental, historique et de mémoire exceptionnel. Il faut bien sûr que ce relais puisse se retrouver dans tous ces espaces. C'était ça l'idée aussi de cette rencontre.